Deux ou trois sont réunis en mon nom.
All right. Okay. Asseyez-vous. You may sit for a while. Je vous salue encore une fois. I greet you once more. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. Soyez le bienvenu au milieu de nous. And be welcome in the midst of us. Et notre fête, c'est aussi votre fête. Our party is also yours. Et je salue aussi tous les hommes de Dieu. And I greet also all the men of God. Je vois beaucoup de mes frères ici. I see many of my brothers here. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Amen. Amen. Now, we just have an hour. Let's stand and take your Bibles. Prenez dans le psaume 118. Take in the Psalm 118. Psaume 118. Psalm 118. Nous lirons à partir du verset 20. We'll read from the verse 20. Vous y êtes? Are you there? Nous lisons. We read this. Voici la porte de l'Éternel. This gate of the Lord. C'est par elle qu'entrent les justes. Into which the righteous shall enter. Je te loue. I will praise thee. Parce que tu m'as exaucé. For thou hast heard me. Parce que tu m'as sauvé. And thou became my savior. La pierre qui ont rejeté ceux qui bâtissaient. The stone which the builder refused est devenue la principale de l'angle. Has become the headstone of the corner. C'est de l'Éternel que cela est venu. This is the Lord's doing. C'est un prodige à nos yeux. It is a marvelous into our sight. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. This is the day which the Lord has made. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. We will rejoice and be glad in it. Ô Éternel, save all now. Accorde le salut. Grant salvation. Ô Éternel. Oh Lord. Donne la prospérité. Give prosperity. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Blessed that comes in the name of the Lord. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. We have blessed you out in the house of the Lord. L'Éternel est Dieu. The Lord is God. Et il nous éclaire. And he shows light. Attachez la victime à des liens. Bring the sacrifice unto God. Amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel. And then to the horn of the altar. Dieu mon Dieu. Thou my God. Et je te louerai. And I will praise thee. Mon Dieu. Thou my God. Je t'exalterai. I will exalt thee. Louez l'Éternel. Oh, give thanks unto the Lord. Car il est bon. For he is good. Car sa miséricorde dure à toujours. For his mercy endures forever. Asseyez-vous. You may stand. Dieu, notre Père céleste. God, our Heavenly Father. Nous voici encore, oh Dieu, tes saints à ton service. We are all going to your service. Nous ne pouvons rien sans toi, Père. We can do nothing without you, Father. Car nous sommes des êtres humains. Because we are human beings. Mais toi, tu es Dieu, Père. And you are God, the Father. Toi, tu es Esprit, Seigneur. You are Spirit, God. Et tes choses, oh Dieu, tes saints se passent dans le spirituel. And all things are into the spiritual. C'est pourquoi nous prions, Seigneur. That's why we pray, Lord. Viens nous en aide maintenant. Come to our help now. Mets-moi de côté, Seigneur. Put me aside, Lord. Remplis mon esprit, Seigneur. Fill my spirit, Lord. De ta présence, Seigneur Jésus. Let my presence, Lord Jesus. Afin que je puisse parler par toi. So I may talk to you. Donne-moi ta pensée, Père. Give me thy thoughts. Afin que je puisse faire entendre à ton peuple, Père. So I may call unto the people. Le véritable son divin. The true divine son. Le véritable message de l'heure. The true message of the hour. Celui que William Branham nous a porté, Seigneur. The one William Branham brought us. Oh Dieu de bonté. Oh the God of mercy. C'est notre jour de joie. It's our day of joy. Viens nous honorer, Seigneur Jésus. Everything we say here, nous prions, we pray pour ta seule gloire, for your holy glory. Amen. Amen. Prenez encore avec moi le livre de 1 Chronique 17. Take again the book of 1 Chronicles 17. Nous lirons les deux premiers versets. We will read the two first verses.
Vous y êtes? Are you there? 1 Chronicles 17. Premier, 1 Chronique 17. 1 Chronicles 17. Le verset 1 et 2. On to the verse 1 and 2. Nous lisons. We read this. Lorsque David fut établi dans sa maison, David came to pass when David sent into his house. Il dit à Nathan le prophète. He said unto Nathan the prophet. Voici. Lord, j'habite dans une maison de cèdre. I dwell in a house of cedar. Et l'arche de l'alliance de l'Éternel est sous une tente. And the ark of the covenant of the Lord remained on Nathan the répondit à David. Nathan said unto David. Fais tout ce que tu as dans le cœur. Do all that is in thy heart. Car Dieu est avec toi. And God is with thee. Amen. Amen. Prenons aussi Matthieu 16. Let's also turn the book of Matthew. C'est le dernier livre. It's the last book que nous allons lire. That we're going to read. Matthieu 16. Matthew 16. Nous lirons à partir du verset 13. We will read from the verse 13. Nous lisons. We read. Jésus. When Jesus. Étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe. Came to the region of Caesarea and Philip. Demanda à ses disciples. He asked his disciples. Qui dit-on que je suis? Who do the people say? Moi, le Fils de l'homme. I, the Son of Man. Il répondit. They replied. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Some say you are John the Baptist. Les autres Élie. Others say Elijah. Les autres Jérémie. And others ou l'un des prophètes. Or one of the prophets. Et vous? But you. Leur dit-il. Say unto them. Qui dites-vous que je suis? What say what? Simon Pierre. Simon Pierre. Répondit. Answer. Tu es le Christ. You are the Christ. Le Fils du Dieu vivant. The Son of the Living God. Jésus reprenant la parole. Jesus replied. Lui dit. Say to him. Tu es heureux. Blessed are you, Simon, Simon, fils de Jonas, son of Jonah, car ce ne sont pas la chair, et le sang qui t'ont révélé cela, out of the blood to reveal to mais c'est mon Père qui est dans les cieux, but my Father in heaven, et moi, and I, je te dis que tu es Pierre, I tell you are Peter, et que sur cette pierre, and this rock, je bâtirai mon église, I will build my church, et que les portes du séjour de mort, and the gate of Hades, ne prévaudront point contre elle, will not overcome it. Amen. Amen. Nous pouvons nous arrêter là. We can stop here. Aujourd'hui, today, je vais parler sur la pierre rejetée par les bâtisseurs. I'm going to talk about the stone rejected by the builders. Amen. Amen. William Branham nous dit. William Branham tells us. Dans la brochure, je crois, Christ est révélé. Dans Christ est le mystère de Dieu révélé. Onto the book of Christ, the mystery of God revealed. Que quand vous lisez la Bible. That when you read the Bible. De la Genèse à l'Apocalypse. From Genesis to Revelation. Peu importe le verset. No matter the verse. Vous devez voir Christ. You must see Christ. Si vous ne voyez pas Christ. If you can't see Christ. C'est que vous avez mal lu. Means you misread. Vous devez reprendre la lecture. You must take over the reading. Et ici. And here. Nous sommes venus parler de lui. We have come to talk about him. C'est le thème principal de la Bible. It's the main half of the Bible. Peu importe la prédication. Pourquoi? William Branham dit William Branham que la brochure in
développer. Now we're going to develop. Ici nous venons de lire dans 1 Chronique. You're just reading 1 Chronicle. David. David. Est un bien-aimé. He's a beloved. Il a aimé Dieu. He loved God. David passait tout son temps. David spent all his time. À penser à Dieu. Thinking about God. Tout son temps. All his time. À vouloir faire quelque chose pour Dieu. Wanting to do something. Chaque jour qui passe, David cherche à faire quelque chose pour Dieu. C'est différent de nous aujourd'hui. Nous today. Cherchons toujours à avoir assez d'argent, notre maison, pour mettre en location. Ceci et cela. Amen. Vous êtes à quoi? Are you with me? Je vais vous surprendre un peu. I'm going to surprise you. La plupart des frères aujourd'hui, ils ne pensent pas que dans le veste. Amen. Amen. On cherche à voir tel genre de veste. On cherche à voir tel modèle. On cherche à voir ceci. Mais il est laisse leur âme ne plus se nourrir de la parole comme ce veut. Et le plus souvent, most of the time, en cherchant ces choses-là, thing, vous vous éloignez du modèle. You move away from the pattern. Regardez le poste qu'ils ont. Look to the le plus souvent, ça se ressemble aux acteurs du monde. Most of the time, they look after the avec les gens un peu les histoires tirées ici, tracées à ceci, cela. Ça, c'est la mondanité. Maison de cèdre, une bonne maison, et que l'arche de l'alliance de mon Dieu puisse être dans ce
toi. God is with you. Another time. Another word. Comme tu as eu cette révélation. Va de l'avant. Move forward. N'hésite pas. Do not hesitate. Amen. Yeah. C'est comme nous. Si nous avons une révélation. If you have a revelation. Ne le dis à personne. Say it to no one. Sauf au pasteur. Except unto the pastor. Parce que Branham me dit, je peux en approcher le trône. Oh, Branham said into the book that the front. In the beginning. Si vous avez une révélation. He said if you have a revelation. Allez consulter votre pasteur. Oh, check on with your pastor. Parce que c'est lui l'ange de Dieu pour toi. Oh, this is the angel of God for you. C'est lui qui a été placé là pour te conduire. He's how you put them to lead you. C'est lui qui a été placé là pour t'enseigner. He's been positioned to teach you. Et il a fait l'expérience avant toi. And he had an experience before you. Alors on a dit à Daniel, à David. Va de l'avant. Go for it. Construis l'arche. Build up the house. Dieu descend. God came down. Nathan. Va dire à David. Go and tell to David. C'est bien. It's good. La pensée qu'il a eue. The thought he had. Elle est bonne. It's good. La pensée qu'il a eue. The thought he had. Elle est royale. It's royal. Mais depuis que je fais sortir Israël, de l'Égypte, from Egypt, je n'ai jamais habité une maison. I never dwelt in a house. Je veux de temps en temps. I want to turn to God. Et aussi, and also, David était un homme de sang. David was a man of blood. Il est allé avec le plan et le modèle que Moïse avait déjà. Il est parlé avec un autre moyen. En d'autres termes, il est resté fidèle aux Écritures. Il a gardé la vision du prophète. Il répétait Malachi 4. Il n'a pas ajouté les révélations des mains des hommes. Mais il disait ce que le Dieu de Malachi 4 lui disait. Et c'est avec ça qu'il a construit la maison. The Bible tells us qu'il y avait that he had des matériaux the goods qui venaient de partout, coming from everywhere, de partout le monde, from everywhere, à gauche, to left, à droite, to the right, de partout. From everywhere. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? What does it mean? Que Dieu that's God ne taille pas seulement ses matériaux à partir d'Israël. That's when he shaped his material. Dieu taille ses matériaux à partir de tout le monde. God shaped his material from du Canada, from the des États-Unis, from the du Gabon, from Gabon, et de partout ailleurs. From c'est pour dire que Dieu n'est pas Gabonais. Dieu n'est pas Congolais. Dieu n'est pas Angolais. Dieu est esprit. God is spirit. Et il a dit and he said, dans Jean 4:24, in John 4:24, il faut que ceux qui adorent Dieu puissent l'adorer en esprit et en vérité. Les matériaux venaient de partout. The goods went from everywhere. Dans tous les pays. Into all the countries. Partout. Everywhere. Ne seront pas au ciel. Will not be there. C'est une catégorie de personnes. A certain kind of people. Non, monsieur. No, sir. En Dieu. In God. Il n'y a point de grec. There are no. Il n'y a point de juif. There are no Jews. Il n'y a point de samaritain. There are no Samaritans. En Dieu. Il y a seulement les fils de Dieu. God only has sons of God. Quand William Branham est parti au ciel. When William Branham went to heaven. Les
Parce qu'elle a reconnu ce que Dieu avait fait dans son prophète. Because he recognized what God did in the prophet. Quand William Branham témoignait, son diacre a douté. They conducted. Ah, vous voyez? You see? Ce n'est pas parce qu'on est dans la sainteté du pasteur. La prédication du pasteur là, il était à Port-Gentil. The sermon of the pastor was in Port-Gentil. Je crois que c'était sur le rétablissement de toutes choses. I believe it was on to the restoration. Il essayait de mettre l'ordre. Was trying to put the order. Et quand il a dit, and when he said, j'étais avec mon épouse, on était à table, je crois. I was with my wife. Et know, quand il a dit, and when he said, vous les officiers, you the officials, vous ne devez pas empêcher les brebis de voir leur pasteur. L'église a jubilé. The church jubilé. Ça montre quoi? What does it show? Que beaucoup that many sont empêchés de voir l'homme de Dieu. Of seeing the man of God. Est-ce que vous me suivez? Are you following me? Amen. Amen. J'espère que ça ne me dérange pas. C'est bon? Yes, sir. Ok. C'est bon? Yes, sir. Ça marche. Alors, Salomon. Then Salomon. Devait construire le temple. He had to build the temple. Mais n'oubliez pas. Don't forget the about the natural and the type of spiritual. N'est-ce pas? Is that so? En d'autres termes, in other words, celui dont on parlait, the one we're talking about, la construction, or the building, c'était Christ. It was Christ. Vous me suivez? Are you following me? Vous me suivez? Are you following me? C'était Christ. He was Christ. Il devait construire une maison. What to build a house? Parce que n'oubliez pas que, because don't forget that, Jésus avait répondu à David, Jesus answered to David, que David, that David, quand tu n'as Gracias.
That's right. Et quand Christ au milieu de nous, and when Christ is in the midst of us, Into the booklet dedicated, version Shekinah, Shekinah version, de 1962, of 1962, au paragraphe 27. Au paragraphe 27. Les matériaux venaient de partout. The goods went from everywhere. Ça allait à un seul lieu. The ones only one place. Pour un seul but. For only one target. Construire le temple. Build up the temple. Amen. Amen. N'oubliez pas le titre de ma prédication, c'est la pierre rejetée par les bâtisseurs. Don't forget the title of this book. That building. Au chapitre suivant, on to the next chapter. Il avait dans cette construction une pierre qui était au fait de trois bizarres. They had in that building a shape of two wings. Qui ne perd de leur temps là-dessus. That's not enough time about it. Le matériel venait. The goods went. Le matériel venait. The woods went. De partout. From everywhere. Du Congo. From Congo. Du Cameroun. From Cameroun. De la Guinée. From Guinée. Des États-Unis. From the United States. De Kinshasa. From Kinshasa. De partout. From everywhere. Et parmi aussi, then, les bâtisseurs l'ont-ils rejeté? The builder rejected it. Ainsi, ils l'ont tout simplement jeté dans un coin. Well, the simply cast in a corner. Et ils ont dit, and they say, cette pierre est vraiment trop bizarre pour être utilisée. Il n'y a pas de place pour ça. There is no place for it. Rappelez-vous, remember, c'était les bâtisseurs qui auraient dû en savoir le mieux. Jésus-Christ en a parlé. Ce sont que les hommes spirituels. Okay.
Nous sommes venus avec notre dénomination. We have come with our denomination. Nous les avons établis en toute sincérité. We established in love. Nous avons envoyé nos garçons à l'école. We send them to school. Pour qu'ils apprennent à bien parler. So they learn how to speak well. Devant une congrégation. In front of the congregation. On leur a appris la psychologie. We learned them psychology. L'histoire de la Bible. The story of the Bible. Et nous avons fait tout ça. We have done all of that. Ce n'était pas magnifique. We send wonderful things. Beautiful place. Tout le reste, and all the rest, c'est ce que nous avons fait. That's what we have done. Mais nous nous rendons compte. But we realize. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Something is not working. Chaque jour nous allons à l'église. Each day we go. Chaque jour on nous prêche. Each day we preach. Mais il n'y a pas de nouvelle naissance. There's no new birth. Il n'y a pas le Saint-Esprit. There's no Holy Spirit. Il n'y a pas la manifestation de Dieu. There's no manifestation of the Spirit. Dieu où? Where is God? Il nous a promis. He promised us. Ce que l'instruction pouvait produire. What the instruction could produce. Ce que le séminaire pouvait donner. What the seminary could give. Nous avons essayé de bâtir cela sur l'instruction. We tried to build it upon the sur le savoir. Upon the knowledge. Sur la dénomination. Upon the denomination. Et toutes ces choses ne marcheront pas. And all of it won't work. Aussi longtemps que nous n'aurons pas accepté cette pierre bizarre. As long as we won't accept that real stone. Cette pierre particulière. That peculiar stone. Et la raison pour laquelle. The reason why. Notre bâtiment épouse le Christ. The building of Christ. Is not ready for the bathroom. Et que les bâtisseurs ont rejeté la pierre principale de l'angle. Is a builder rejected the main stone. Qui est le baptême du Saint-Esprit. And the baptism of the Holy Spirit. Laquelle a été posée le jour de la Pentecôte. Which must be laid the day of the Pentecost. Voilà pourquoi. You know why. Notre pasteur. Our pastor. Année après année. Year after year. Il nous prêche toujours le baptême du Saint-Esprit. Keep on preaching the baptism of the Holy Spirit. Amen. Amen. Parce que c'est la chose capitale. What is the main thing? Ratez tout. Miss everything. Ratez le mariage. Miss the wedding. Ratez l'argent. Miss the money. Ratez la maison. Miss the house. Ne ratez pas le Saint-Esprit. Do not miss the Holy Spirit. Amen. Amen. Ne ratez pas le Saint-Esprit. Do not miss the Holy Spirit. Romains 8:9. Romains 9:8. Ou Romains 9:8. Or Romains 8:9. Celui qui n'a pas l'esprit de Dieu ne l'appartient pas. Whoever doesn't have the spirit of God does not belong to him. Amen. Amen. Donc cette pierre a été rejetée. So that stone been rejected. Par les bâtisseurs. By the builders. Amen. Amen. Et nous disons au verset 30. Nous voyons cependant. We believe. Dans le chapitre suivant. In the next. Que quand les bâtisseurs. That when the builders. Ont compris qu'ils s'étaient trompés. And that stone a mistake. Et qu'ils usent là toutes les autres pierres. They didn't hold the other stone. Ils ne pouvaient pas cependant les rassembler. They could not gather. Parce qu'il restait un trou. Because it's been whole. Quelque chose n'allait pas. Something was wrong. Mais nous avons déjà. But you already have. Des pierres. Stones. Amen. Amen. Les pierres que Dieu a préordonnées. But we that God preordained. Nous les avons eu toutes là. And we have them all of them. Depuis Ephésiens. Since Ephesians. Jusqu'à la Odyssée. Until Laodicea. Ces pierres là. Those stones. It's not today that you have them. Brother said. Ces pierres sont préordonnées. Those stones are preordained. Nous les avons eu. We had them. Depuis Ephesians. Until now, you know the word. Those materials coming from everywhere. There are the elect, the bride, from Genesis until Revelation. And all those elect are of sin. And those must be manifested. Du peuple, vous ne serez pas manifesté. Une fois cette pierre, elle vient au milieu de nous, afin que nous soyons manifestés. So we may be manifested. Amen. Amen. Et Branham me dit, and Brother Branham said, nous attendons seulement cette pierre chrétienne. We waiting that capstone. Que les bâtisseurs ont rejeté. That the builder rejected. Nous attendons sa venue. We expecting his coming. La pierre de fête. The
confession. God confession. Mais nous savons qu'une confession est une pierre. It is stone. Amen. Yes. Les pierres stone sont préordonnées. Mais préordonnées. Ce qui est préordonné, ce sont les élus. Et maintenant nous dit, nous attendons l'arrivée. Il leur dit, qui dites-vous que je suis? What do you say that I am? Moi, I, le fils de l'homme, the son of man. Tout le monde était tranquille. Everybody stay quiet. Ils ont commencé à dire, they start to les say, disent, all say, que tu es Jean-Baptiste. I John the Baptist. Les autres, Élie. I John Élie. Les autres, Jérémie. Jeremiah. Vous êtes des prophètes. One of the prophets. Jésus dit c'est bien. Jesus said that's good. J'étais dans les prophètes. I was with the prophet. Mais je m'adresse à vous. As I'm talking to you. Qui dites-vous que je suis moi? Non. The son of man. Tout le monde était tranquille. Everybody said what? Mais Pierre, but Peter, vous l'avez été. For me. Après que je suis là-bas, à la montagne de la transfiguration, tu es là-bas. Oh, come on. Tu es là à visiter. Oh, tu as soufflé dans son esprit. Tu as soufflé dans son âme. La révélation de qui était Jésus. Oh, who was Jesus? Yeah!
qui rien comme sur la terre. Partout c'était le silence. Au ciel, sur la terre, on the earth, sous la terre, c'était le silence. Satan se demandait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Amen. Dieu, c'est un grand acteur. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi Dieu a fait ça? Don't you know why God did it? Nous a dit because they tell us que pendant qu'il y avait le silence, why they had the silence? Toutes les colonnes de feu. All the pillars of fire. They want to check out the body of men. Fini cette histoire. It's over, that's murder. C'est fini cette histoire. It's over, that's murder. Nous devons aller. We must go. On a une église à bâtir. We have a church to be. C'est le PC. It's not here. Alléluia. Amen. Et Branham me dit. And Branham said. Le temple est parfait. The temple is perfect. Là où vous étiez exaucé. Where you were supposed to. Là où se trouvait le sacrifice. Where il se détache. Il va prendre le livre. Le livre que Adam avait perdu. Le titre de propriété. La chose que Satan cherche. Il prend ce livre. Il le voit le livre. Il le rentre dans le livre. Et il le descend avec le livre. Et quand il descend, Apocalypse 10. Je vois un ange puissant qui descend du ciel, avec le nez d'un arc-en-ciel, et éteignant entre
venir. Le Dieu qui va nous enlever, il n'est pas au ciel. Il est ici. Alléluia. Branham me dit, j'ai le brochure, le guide vierge. Paragraphe 100, quelque chose comme ça. Depuis qu'il est descendu, Maybe like me. Même mon frère. But my brother. Tous les démons de l'enfer.
face à lui. Satan a envoyé celui-ci. Into Matthew 4, he crossed Jesus. He met Jesus. Il est écrit. It is written. Jesus said, "You're a child." C'est moi la parole. It's I, the Word. Brings the book. Et ce livre là, c'est pas un livre matériel. It's not a material book. C'est un livre saint. It's a book blood. Parce que because Dieu va continuer à faire l'expiation. God is going to move the atonement. Mais l'expiation ne se fera plus au ciel. The atonement will come to heaven. Parce que because l'expiation est quittée du ciel. The atonement left from heaven. Pour le livre. For the book. Et le livre a été transporté. And the book has been carried sur la terre. On the earth. Voilà pourquoi. Here why. En dehors du message, the message, vos péchés ne sont pas pardonnés. Your sins are not forgiven. En dehors du message, the message, vous n'avez pas la rédemption. You don't have redemption. En dehors du message, the message, vous ne pouvez pas être enlevé. You can be wrapped. Alors si toi, and if you, connaissant ces choses, tu quittes le message, you leave the message, pour une dénomination, for a denomination, pitié de toi. Pity on you. Mourons dans le message. We die in the message. Même si ça ne va pas, mourons dans le message. Even if not, let's die in the message. Dieu ne fait exception de personne. God is making exception of no one. Fais seulement ce que ton cœur soit mort avec Dieu. Il se souviendra de toi un jour. He will remember of you one day. Amen. Amen. Cette pierre, that stone, lorsqu'elle descend, when it comes down, elle descend pour notre victoire. It comes down for our victory. Elle descend pour nous donner l'assurance. It comes down to give the assurance. Elle descend pour nous donner l'accomplissement de ce que nous avons lu dans Matthieu 16. It comes down to give the fulfillment we've read in Matthew 16. Les portes de l'enfer, the gate of hell, vont tenter. Oui. Vont faire ceci. We do this. Mais ne prévaudront jamais. That you will never prevail. Parce que lui-même, because himself, il serait là. He's gonna be there. Branham dit. Branham said. Quand Satan, when Satan, est allé vers Job, went to our Job, vers Jésus. Or to Jesus, Dieu, to tell God, que, to tell him that tu vois Job, you see Job, he served you béni, because you bless him. Dit, God says that Job, Job loves me. Satan dit, bon, le fiche, let me touch you, you don't see. Jésus dit, c'est pas un problème. Jesus says it's not a problem. Vas-y, fais ce que tu go veux, do whatever you want. Touche pas sa vie. Touch not into his life. Quand Satan s'est retourné, when Satan turned back, Branham dit, Branham said, Dieu God est allé, went dans Job, into Job. C'est pas pour rien. Job a tenu bon. C'est la même chose. It's the same thing. Il le fait. That is doing. En disant, by saying, je bâtirai mon église. I will build my church. Parce qu'il va la dédicacer. Because he's going to dedicate. Et il va faire qu'il descend. Dedicate, he comes down. Amen. Amen. Ils sont encore un peu ici. Let's read a little bit. Vous êtes avec moi? Are you with me? Vous êtes avec moi? Are you with me? Ok, avançons. Let's move on. Avançons. Il dit dans la même brochure, la dédicace. He said onto the same booklet, dedicate. Paragraphe 33. Onto the paragraph 33. L'avez-vous remarqué? Have you noticed? Après que le bâtiment fut achevé. After the building had finished. C'était toujours un bâtiment vide. It was still an empty building. Salomon avait construit. Salomon built. Ils ont construit le temple. They built the temple. Ils ont tout fait. They did everything. Tout était achevé. Everything was done. C'était un bâtiment vide. But it was an empty building. Quand je dis vide, when I'm saying quand Branham dit vide, what c'est qu'il n'y avait pas de gens, non. It means there had no people, no. Les gens étaient là. People were there. Et il dit vide. But he said empty. Parce que, because, suivant, let's, il n'y avait là dedans. They had in there que le mobilier, only the chair, the people, les bancs, and the chair, ceci, and this, et cela. And that. Amen. Amen. Ainsi, Salomon avait fait tout ce qu'il avait pu. Salomon did everything he could. Pour vivre le grand jour.
jour de la dédicace. Pour il devait consacrer ce bâtiment. Or had to dedicate the building. Pour que les adorateurs puissent y adorer quelque chose. For the worshipper worship something. Vous comprenez maintenant? You understand now? Le bâtiment était fini. The building was over. Mais Branham dit qu'il était vide. But Branham said it was empty. Vide pas parce qu'il n'y avait pas les croyants. Empty not because they had no believers. Vide c'est pas parce que il n'y avait pas on ne sait pas quoi. Empty because. Mais simplement parce que. Simply because. La personne qui devait être adorée. The person who had to be worshipped. N'était pas encore là. Was not there yet. Amen. Amen. Voilà pourquoi. Here we are. Il nous a dit said to us que la véritable adoration, that the true worship is, c'est un autre temps. It's a true worship. Parce que celui que nous adorons ne sera plus au ciel. Won't be in heaven. Il descendra au milieu de nous. Come in the midst of us. Branham dit, Branham said, la nouverture du septième saut, unto the opening of the seventh seal. Le Dieu que nous allons adorer, the God we're going to worship, il sera au milieu de nous. He's going to be in the midst of us. Et quand il vient au milieu de nous, and when he comes in the midst of us, pour rentrer dans chacun d'entre nous, to enter within every one of us, au point où, to the point where, toi tu seras un véritable adorateur, you're gonna be a true worshiper, adorant le Dieu qui est en toi, worshiping the God within you. Un moment le Dieu de pasteur, a time the pastor, est loin de nous, it's away from us. Mais au fur et à mesure que nous avançons, at the time we're moving forward, son Dieu est la tête de notre Dieu. It's God must be our God. Dedans de nous. But the God in the midst of us. Voilà pourquoi. Here why. Salomon après construit. Salomon after building. Il fallait qu'il y ait dédicace. He had to have a dedication. Pour que ce bâtiment ne soit plus vide. For the building not stay empty. Amen. Amen. Et allons-y dans les exposés. Excusez-moi, je n'ai plus que 5 minutes. Into an exposition. À la page 76. Onto the page 76. Là-bas il est dit. Over there it says. On peut construire toutes choses. We can build everything. On peut construire le bâtiment. We can build a building. Ça peut être joli. It can be beautiful. Ça peut être on ne sait pas comment. It can be the way you want. Amen. Amen. Allons-y. À la page 76. Onto the page 75. Ici on parle du chandelier qui marche. Celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. We're talking about one working in the middle of the Quand ces mots sont remplis de sens. I'm saying when it's full of sense. Quand nous les considérons à la lumière de l'Écriture. When you consider the light of the Scripture. Qui le décrit comme Christ? Describe him as Christ. Qui est notre vie? Which is our life? Oui, en effet. Yes, in fact. Christ est la vie de l'Église. Christ is the life of the church. Elle n'a pas d'autre vie. He has no other life. Sans lui. Without him. Elle n'est rien d'autre qu'une société religieuse. It's nothing less than religious society. Un vrai rassemblement de personnes. A gathering of people. Amen. Amen. Un cadavre. A corpse. Même le pareil de bijoux et de vêtements. Not even we've called it. Il reste un cadavre. It's a corpse. Peu importe la manière que vous l'habillez. No matter the way you dress it. Peu importe combien vous mettez sur lui de bijoux, le costume qui coûte le million de dollars. No matter you put jewelry. Il restera un cadavre. It will stay a corpse. Et Branham me dit. And Branham said. Quoi qu'elle puisse réaliser ce programme. What he can realize his program. Et ses bons efforts. And his all the force. Sans Christ. Without Christ. Elle est aussi un cadavre. It's also a corpse. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi. You know what? Branham me dit. What I'm saying. Que après que le bâtiment soit construit. After the building. Il était toujours vide. He's still empty. Alors il fallait la dédicacer. You need to dedicate. Pour que celui qu'on doit adorer. For the one who must worship. Soit au milieu de nous. Be in the midst of. Amen. Amen. Je vais terminer peut-être là. I'm going to close. Branham dit. Branham said. Dans la brochure. Into the booklet. Les sept noms composés de Dieu. The seven composed name of God. Là-bas il dit. Over there he said. Tout ce qui était Dieu. Everything was God. Jéhovah. S'est trouvé dans ces sept noms-là. Well, into the seven names. Il était Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh. Jéhovah Rapha. Jéhovah Rapha. Jéhovah Manassé. Jéhovah Manassé. Jéhovah Roi. Jéhovah Roi. Jéhovah Shalom. Jéhovah Shalom. Jéhovah Tchikenou. Jéhovah Tchikenou. Et le septième c'était Jéhovah Shama. Ce qui signifie Dieu au milieu de nous. Mais Branham va plus loin. Il est dit avant qu'il ne soit Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Manassé, il doit être Jéhovah Shama. Il must be Jéhovah Shama. Vous n'avez pas compris. Dieu ne peut pas vous guérir s'il n'est pas bien de vous. That's why. Nous combattons comme ils n'ont pas Dieu,
Les 5 minutes sont passées. Ok, almost. Je vais lire ceci pour conclure. I'm going to read that for you. Amen. Amen. Sentez-vous bien? Feel good. Ok. Amen. Amen. J'ai une conclusion ici, je ne sais plus où est-ce que je l'ai mise. I have a conclusion or prepared, just checking for you. Mais Branham voulait simplement dire. Branham simply want to peu importe. No matter. C'est qu'on vous dira. What I tell you. Peu importe. No matter. C'est qu'on va vous interpréter. What they're going to interpret. Mais vous. But you. Restez. Stay. Là où. La pierre fêtière est descendue. Et je crois il est déjà descendu. Nous sommes convaincus qu'il est avec nous et il ne nous laissera jamais. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Thank you, may the Lord bless you. Que Dieu bénisse le frère Condé. May God bless the brother Condé. Ça c'est le temps de Dieu qui a prêché. Avez-vous apprécié la prédication? Have you appreciated the sermon? Alors nous sommes arrivés à la fin de la réunion d'aujourd'hui. Nous allons nous mettre debout. We're going to stand. Et nous allons prier. And we're going to pray. Le prophète dit. The prophet says. Dans la brochure Dieu qui est riche en miséricorde. Into the booklet God rich in mercy. Au paragraphe 73. Onto the paragraph 63. Prêchant 65. Preaching 65. Il a dit regardez ce que nous avons vu en ces derniers jours. He said look what we've seen in those latter days. Moïse a vu le dos. Moses saw the back. Personne n'a jamais vu sa face. No one ever saw his face. Et bien nous. But us. Nous le voyons. We've seen. Nous l'avons vu. We've seen him. Lui. Nous le contemplons. We're looking at him. Lui. Him. Le sacrifice. The sacrifice. Amen. Amen. Ce que Moïse ne pouvait pas voir. What Moses could not see. Et nous l'avons vu. But we've seen him. Dieu qui est riche en miséricorde. God rich in mercy. Paragraphe 73. On the paragraphe 65. Rich in 65. Âge des frères. Ephesians age. Paragraphe 39. On the paragraph 39. Le chant 1960. Rich in 1960. Abraham dit, what the Abraham said, lorsque tous les mystères de Dieu seront révélés, when all the mystery of God will be revealed, alors Christ, then Christ, lui-même, himself, alléluia, amen, sera adoré, will be worshipped, au milieu de son peuple, in the midst of his people, nous adorerons, and we will worship, Christ, Christ, le vivant, the living one, au milieu de nous, in the midst of us, vous croyez cela? Do you believe it? Dieu dévoilé, prêchant 64. In the booklet God revealed, prêchant 64. Je crois au paragraphe 276. I believe onto the paragraph 276. Qui a été photographié au milieu de nous. Who's been photographed in the midst of us. Visible et invisible. Visible and invisible. C'est Dieu. It's God. Il est visible. Invisible. Il est invisible. And also invisible. Il est physique. It's physical. Et spirituel. And spiritual. Amen. Amen. Et ce sont les bonnes choses. And there are good things. Alors mettez-vous debout. Then stand up. Dites quelque chose au Seigneur. And say something to the Lord. Et nous allons partir. And we're gonna leave. Dites quelque chose au Seigneur. Say something to the Seigneur, Lord. Seigneur, tu. Pasteur, if. Si précieux. Va dire mon Seigneur. Oh, Lord.
depuis le début du service jusqu'à la fin. Oh notre Père, qu'aucune personne ne reparte comme elle est venue. Tu as vu les efforts de tes enfants. Ils ont abandonné leurs occupations, laissé leurs travaux, Seigneur, pour venir recevoir la parole. À cause de cela, Seigneur, bénis chacun d'entre nous. Que celui qui est venu malade retourne guéri. Que celui qui a des problèmes trouve des solutions. Que celui qui est affligé soit consolé. Donne à chacun selon son désir. Au nom du Seigneur Jésus. Maintenant, Seigneur, que nous nous apprêtons à nous séparer de la chair. Nous voulons être unis en esprit. Bénis notre retour, comme ta communauté est arrivée ici. Donne, Seigneur, la capacité de transport à tes enfants, afin que chacun rentre dans sa demeure en bonne santé, en bon état. Protège-nous, Seigneur, des incidents, des accidents, au nom du Seigneur Jésus. Que la même colonne de feu qui a été prêchée ce soir soit au-devant de nous pour nous conduire en chemin. Bénis toute l'Église, bénis les invités, bénis le pasteur. Nous consacrons, Seigneur, la réunion de la semaine sous le contrôle du Saint-Esprit. Bénis les dîmes et les offrandes qui seront données par tes enfants et que chacun de nous reçoive, Seigneur, sur la mesure que tu t'as donnée. Sois béni, sois élevé à jamais et que la gloire, l'honneur de